Servette Musique TV, bonjour Philippe, merci. Salut Philippe Sergio. Dragonetti, quelle introduction magnifique, je te Merci beaucoup. remercie. Tu nous accueilles dans une de tes salles de cours. Exactement. Ton parcours exceptionnel, tu commences par la classique, très vite tu t'orientes vers le rock, le jazz rock, à l'apparition de guitaristes comme Mike Stern ou Pat Metheny qui t'ont Exactement. influencé, enfin qui t'ont donné envie de détacher un peu de ce monde classique et puis de créer autre chose. Tu es une référence absolue dans la région, que ce soit dans l'enseignement, parce que tu enseignes au collège en section artistique, et puis en tant que musicien très connu dans le jazz rock et autres. Je sais que tu as un duo aussi avec Christophe Leu qui fait des émulsions, des vagues. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment exceptionnel de t'entendre comme ça, avec ce pedalboard que j'ai réalisé pour toi, sur ta demande bien spécifique. Qu'est-ce que ça t'amène? Quelle était peut-être ta demande de base, pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que tu voulais, toi, pour ta configuration électrique? Quels étaient tes besoins, en fait? Alors, il y avait plusieurs choses en fait dont j'avais besoin, dont je rêvais en fait. Et ben, la première, c'est que j'aimais bien les petits effets genre delay ou chorus que j'avais déjà comme ça. Et je voulais garder en fait le son de mon ampli. Tout à fait, ouais. Depuis que j'ai trouvé aussi cet ampli, je suis très content du son. Et donc, je trouvais qu'à travers les multi-effets qu'on avait d'habitude dans le commerce, ça dénaturait beaucoup le son. On perdait un peu On cette, perdait un petit ouais, peu tout à ce fait. naturel du son. Voilà. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir avoir non seulement les effets que j'aimais bien, mais de pouvoir Les combiner, en les fait. combiner Ouais. ensemble. Et puis, voilà, avoir plusieurs effets ensemble, enfin, c'était ça. Et puis aussi, j'avais aussi des problèmes des fois de bruit de fond, des ronflettes et des choses comme ça que je supportais plus, en fait. Oui, Surtout quand je te tu fais de la comprends. musique avec. Je faisais aussi la musique avec du théâtre et tout ça, donc il faut que le silence soit vraiment le silence. Ouais, d'accord. Donc, ben, il me fallait Ouais. Quelqu'un. D'accord. Toi, en Alors j'y suis, l'occurrence, ouais, pour super. avoir bah, l'intelligence et puis d'arriver à combiner tout ça et à fabriquer ce multi effet sur mesure et qui ne prenne pas De trop de qualité. place non Ouais, plus en fait. je Il y sais avait que aussi c'était une de le tes particularités. Ouais. voilà et donc mes voeux sont comblés. Donc on avait eu un Merci. bah, ouais, je t'en prie. Il y a eu un premier prototype Oui, un qui était un premier peu plus proto, ouais. petit. Ouais. Mais il manquait un peu de place Il pour les manquait un peu de effets. place, Et donc effectivement. là, tu m'as reconstruit quelque chose dont Super. je suis ravi. D'accord, très bien. Écoute, je te propose de voir ça plus en détail. OK? D'accord. Voilà, Phil, super, on va voir plus en détail. Une des particularités que tu m'avais demandé, c'était un touch, donc un clic pour changer plusieurs paramètres. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant que tu vas nous démontrer. OK. Alors, je vais commencer avec une petite introduction avec le son clean et puis la wah-wah, en fait, uniquement. Là, je joue un petit thème, je change de canal. Non, je reste sur le même canal, mais avec le delay. D'accord. OK. Et là, je passe sur le son saturé avec delay. Je change de canal. OK? Super, d'accord. Magnifique. Et voilà. Donc, ta demande, un clic pour pouvoir changer plusieurs paramètres. Tu nous l'as démontré magnifiquement bien, c'est super, je te remercie. Je suis un homme heureux. Alors j'avais une autre demande, en fait, à l'époque. C'était que tout en gardant le pédalier avec des dimensions réduites, il fallait qu'il soit évolutif.
et que je puisse rajouter éventuellement par la suite, ouais. par la suite un effet ou deux effets en plus. Alors ça, je te cache pas que ça a été une des grandes particularités, une complexité, parce que là, on voit un peu la pointe de l'iceberg. Il y a les deux tiers en dessous et ces deux tiers-là, ils représentent quand même deux switchers, donc 8 boucles sur lesquelles tu peux insérer des effets. Là, il y en a 4 d'utilisés pour l'instant, donc tu n'en aurais encore que 4. Tu en aurais encore 4 à disposition. Il y a évidemment le switcher qui permet de changer le canal de l'amplification. Mmh, il y a tous les câbles. Mmh. Et il y a toute l'alimentation de toutes les pédales du pédalier qui te permet, toi, arriver sur scène, mettre juste le 230 et tout s'allume. Et je sais que tu avais une autre particularité, une autre demande bien précise. Et oui, bah, tu te souviens, j'avais aussi le besoin aussi de jouer avec une guitare nylon, une deuxième guitare sur le pedalboard. Et tu m'as concocté quelque chose. Je t'ai concocté quelque chose. Qui fonctionne très très bien. Ouais, c'est vrai. Deux guitares de brancher, deux amplis de brancher déjà sur scène, déjà tout prêt, et de pouvoir switcher d'une guitare à l'autre. Et voilà. Alors là, on n'a pas les deux câbles en entrée, mais on va le faire en direct. Ok, allons-y. Donc tu as une entrée évidemment dédiée à l'ampli acoustique. Je vais aller brancher l'ampli acoustique parce qu'on avait oublié de le faire, c'est tout. Et puis je vais te passer une guitare corde nylon. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, on est parti. Avec plaisir. Je garde ta magnifique PRS dans les mains. Voilà, donc là je change... Volume à zéro. Je change de preset. Et c'est parti. Rolling. Rio Samba. Philippe, merci beaucoup. Merci à toi, ça Sergio. Ça a été un réel plaisir. Merci bien pour nous avoir démontré tout ça. Et puis, j'espère qu'on se refera ça très bientôt. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Merci, Philippe. C'est Arrête Musique TV. À très bientôt. Merci beaucoup.